Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2020. Ce tirage, il est sous le signe de la joie, de la fête, de la rencontre. Et pour les poissons, début du mois d'avril, il y a une rencontre qui se fait. Alors, malgré le confinement, y a une rencontre qui se fait. Une invitation qui est donnée, malgré tout, on sort quand même un peu pour ne serait-ce que d'aller faire ses courses ou pour aller se dégourdir un peu les jambes. Et je vois une rencontre à cette occasion-là qui va vous mener à une invitation. Ça va vraiment vous surprendre, mais agréablement. Donc ça, c'est pour la première semaine du mois d'avril. Puisqu'après, en deuxième semaine du mois d'avril, on commence à réfléchir à vouloir fonder une famille, à vouloir ça c'est vraiment pour les célibataires, à fonder une famille, à retrouver un noyau familial. Et on a une carte forte dans ce tirage qui est celle-ci, qui est la clé. La clé, c'est vous, hein, c'est votre destinée, c'est votre vie, c'est vraiment, là, c'est une carte très forte et très positive dans le jeu. Cette envie de construire un foyer vous ramène beaucoup d'équilibre, les poissons, tant sur le plan sentimental que matériel ou professionnel. En tout cas, moi, je vois quelqu'un dans le monde médical. Donc, ça peut être aussi bien, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, comme un infirmier, un médecin, un chirurgien, enfin, ou un ostéopathe, ou un radiologue, peu importe. En tout cas, je vois quelqu'un dans le monde médical et ça va aller très très vite. Il va y avoir rapidement une envie de fonder quelque chose. Derrière, en fin avril, on a du changement qui se présente. Le changement, il est aussi bien sur le plan professionnel que sentimental, puisque on a vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne. Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens sur cette personne. Il est possible que je me trompe, hein, mais moi, je sens un chirurgien pour les amis poissons. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes ou tous les hommes poissons vont rencontrer un chirurgien. Mais en tout cas, moi, je sens bien ça. Ou alors, il y a une chirurgie constructive ou réparatrice qui est envisagée. Et c'est peut-être lors de cette opération que ça va se passer. Mais en tout cas, là, pour tous les poissons qui ont l'occasion de rencontrer quelqu'un dans le monde médical, je pense que ça va vous parler. En tout cas, il y a une belle rencontre pour les célibataires. Moi, j'en vois une belle. Je vois vraiment de la fête, de la célébration. Je vois l'équilibre qui revient. Il y a vraiment la volonté de recréer une famille. Et il y a vraiment un changement là qui opère. Et c'est vraiment un changement pour le meilleur. Alors, on va demander à l'oracle de l'amour si elle peut nous donner une précision sur cette rencontre, parce qu'elle est vraiment. Moi, elle me titille cette rencontre, hein, parce que moi, je vois que là, les femmes ou les hommes poissons célibataires, là, moi, je les vois faire une rencontre, hein. Vraiment. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous enchanter, hein, les poissons au mois d'avril, hein. Ceux qui sont en couple, il y a du changement aussi dans leur famille. Je ne vois aucune séparation, mais il y a un renouveau dans le couple chez les poissons, hein, au mois d'avril. Enfin, ça s'adresse beaucoup aux célibataires quand même, ce tirage, hein. Alors, on va demander une carte à l'oracle de l'amour. La déesse. Et le guerrier. Donc c'est vraiment, moi je vois là, on s'approche du coup de foudre là. Hein. C'est vraiment une rencontre qui vous plaît, qui vous séduit, hein, les poissons. Hein.
Là, il y a quelque chose de particulier. En tout cas, moi, je vois de belles choses, hein. Franchement. Là, que ce soit en couple ou célibataire, il y a des beaux moments à partager au mois d'avril, hein. Et vous avez vraiment cette carte qui est forte en centrale, où c'est cette clé, cette destinée. C'est une rencontre que. C'est une rencontre, quand vous allez la voir, vous allez tout de suite dire, c'est lui ou c'est elle. C'est certain. On est proche du coup de foudre. Franchement, là, on est sur une histoire qui vous amène du changement, mais alors, vraiment, moi, je vois ça, c'est limite féerique. C'est au-delà de vos espérances. Alors, j'espère, les poissons, que vous allez me tenir au courant au mois d'avril de cette histoire qui démarre rapidement, parce que moi je veux savoir ce qui se passe. Je suis curieuse de savoir ce que le mois d'avril vous réserve, les poissons. Donc voilà, écoutez, bah, je vous souhaite une excellente journée, un beau mois d'avril, et puis ben, je vous aime tous très fort. Prenez soin de vous, soyez prudents, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et puis venir faire un petit tour sur ma page Facebook. Voilà. À très bientôt. Au revoir.